Donc Nicolas Courtin, docteur en histoire et spécialiste de l'architecture parisienne d'Ancien Régime et notamment de l'habitat aristocratique, et qui va aujourd'hui nous parler de l'hôtel Zamel des Diguières et de sa construction et de ses modes d'habitation tout au long du XVIIe siècle. Je lui laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci tout d'abord pour cette invitation à participer à ce cycle. À ce cycle parisien, vous m'avez demandé d'intervenir pour évoquer la question de l'habitat dans les hôtels particuliers parisiens au XVIIe et au XVIIIe, en tout cas de la période d'Ancien Régime, pour essayer de donner un éclairage particulier à ce domaine que l'on croit bien connu, celui des hôtels particuliers, pour essayer de donner effectivement un jour un peu différent et un peu nouveau sur cette question de la construction et de l'habitation dans les hôtels parisiens. Je suis de manière un peu différente de mes collègues dans ce cycle. Je me suis dit qu'il pouvait être bien de s'attacher à une seule maison plutôt que d'essayer de faire une grande synthèse qui, en une conférence d'une heure, serait un petit peu rapide, et d'essayer de tirer un certain nombre d'enseignements sur l'étude d'une maison à travers le XVIIe siècle, d'une maison qui est extrêmement paradoxale, puisque c'est une maison qui aujourd'hui a totalement disparu, qui n'a pas encore fait l'objet d'une monographie complète, et qui est finalement presque à l'opposé de l'hôtel particulier classique du XVIIe siècle. C'est en fait un peu une démonstration par l'absurde que je vous propose aujourd'hui, qui consiste à regarder cette maison qui a été l'une des plus célèbres du XVIIe siècle, dont nous disposons aujourd'hui d'un nombre suffisant de documentation archivistique ou littéraire pour en avoir une idée, mais sans pour autant avoir aucune certitude et aucune matière réelle à se mettre sous la dent. Et par ce biais-là, j'essaierai de vous dresser un peu en négatif le portrait de l'hôtel particulier du XVIIe tel qu'on l'imagine, en vous démontrant à quel point cette maison, l'hôtel Zamel des Diguières, est finalement aux antipodes de la maison traditionnelle, mais aussi bien dans son architecture que dans sa manière, de la manière dans laquelle il était habité tout au long du XVIIe. Puisqu'en effet, c'est une histoire que l'on peut suivre. Alors, dans le grand XVIIe siècle, puisque l'histoire de cette maison va commencer à partir de 1587, nous y reviendrons jusqu'après, et elle se termine en 1737, qui est la date à laquelle les terrains sont morcelés par les derniers héritiers de la famille Les Diguières, de manière à commencer à lotir le terrain. Alors, oui, j'aurais pu vous montrer. On ne voit rien, j'entends dans la salle. Alors, on va éteindre la lumière. Voilà. Alors, je vous dis, on dispose d'un dossier documentaire entre essentiellement archivistique qui permet de retracer une histoire et de quelques documents graphiques, dont cette photographie qui représente les vestiges de l'hôtel, nous y reviendrons, mais qui est la seule image un peu précise de l'hôtel, donc avant 1866, qui est la date de la démolition des derniers vestiges, du dernier bout de l'hôtel des Diguières, qui disparaissent sous le Second Empire à l'occasion de l'ouverture du boulevard Henri IV. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette image. Alors, pour commencer, l'histoire de l'hôtel Zamet, donc du nom de son premier propriétaire, Sébastien Zamet, commence donc en 1587, lorsque ce personnage tout à fait important de la fin du XVIe et du début du XVIIe, et surtout donc du règne d'Henri IV, Sébastien Zamet, ce gentilhomme piémontais, comme on le dit
dans les actes notariés, s'occupe de constituer, enfin une grande demeure à l'échelle de son, de sa fortune et de son, de sa position. Auprès de la cour. Sébastien Zamet fait partie de ces financiers qui sont arrivés en France dans les années 1580 à la suite de la cour de Catherine de Médicis et qui va ensuite s'attacher au service du premier roi Bourbon dont il deviendra un proche. Il sera ennobli par la suite, vous le voyez, baron de Murat notamment, et ce qui le caractérise, c'est sa considérable fortune. Je vous avais ici le petite notule tirée de l'histoire de Paris d'Henri Sauval, qui est rédigée au milieu du XVIIe siècle et qui rappelle donc l'origine de cet hôtel qui alors porte le nom de l'hôtel de Lesdiguières et qui donne les informations de base sur l'histoire, sur le début de l'histoire de l'hôtel sur lequel nous reviendrons. C'est un hôtel qui est construit sur une place ou quelques vieux édifices qu'il avait achetés. C'est le plus grand qui fut alors à Paris. C'est cette mention qui m'intéresse puisque, en effet, par cette formule donnée par Sauval, le plus grand hôtel de Paris, il y a effectivement, sous la plume de Sauval, cette mention, cette idée de superficie, mais je pense que l'on peut aussi l'interpréter comme l'un des plus grands, l'un des plus prestigieux et l'un des plus célèbres, et force est de constater que tous les guides de Paris du XVIIe et du XVIIIe, enfin en tout cas jusqu'à sa démolition, mentionne l'hôtel comme étant l'un des plus importants. Et donc ce qui m'intéresse de suivre aujourd'hui, c'est de savoir comment on a constitué ce plus grand hôtel de Paris et comment on l'a habité et ensuite évidemment comment il a disparu. Alors très rapidement pour vous resituer l'hôtel dont il s'agit, c'est un hôtel qui s'ouvre sur la rue de la Cerisaie. La rue de la Cerisaie est une rue qui est percée sur les anciens jardins de l'hôtel d'Étampes, qui est un hôtel dont le lotissement est effectué par la couronne à partir des années 1540. L'hôtel de Lesdiguières va occuper une superficie considérable, une parcelle considérable, qui est constituée par Sébastien Zamet, qui se trouve dans cette zone-là. Vous le voyez, la mention ici, hôtel Zamet puis de Lesdiguières. Sur ce grand plan dressé par Berti et qui consiste en fait en une parcelle traversante entre la rue de la Cerisaie et qui aura une issue sur ce qui va devenir la rue de Lesdiguières aujourd'hui, qui aura une issue sur la rue Saint-Antoine au pied de la Bastille. Donc une parcelle considérable et surtout dans un site particulier, donc dans le quartier du Marais, dans la rive sud de la rue Saint-Antoine, à proximité de la Bastille, à proximité surtout du Clos des Célestins, que vous voyez ici, et à proximité immédiate de l'Arsenal, qui, vous le savez, se trouve au pied de la Bastille, le long du mur d'enceinte et des fossés. Donc, une situation particulièrement privilégiée qui provient du démantèlement de ce qu'on appelle l'hôtel royal de Saint-Paul, lui-même composé de plusieurs petites maisons, et qui est issu donc du lotissement d'un hôtel dont les terrains sont divisés au cours de la Renaissance et dont est issu également, par exemple, l'hôtel de Mayenne, qui subsiste aujourd'hui avec ses fameux deux pavillons en briques sur la rue Saint-Antoine. Ce que je voulais pointer d'abord, c'est cette localisation. Le choix du site, pour un hôtel du XVIIe siècle, est absolument essentiel. Et on repère tout de suite le Sébastien Zamet capable de se porter acquéreur d'une parcelle considérable dans l'un des quartiers les plus importants de la fin du XVIe siècle. Comme je vous le disais, à proximité de la Bastille, la rue Saint-Antoine, qui naturellement est un axe majeur, l'Arsenal, les Célestins, et bientôt à côté de la place des Vosges, même si celle-ci va être ouverte quelques temps plus tard. Et la constitution de cette parcelle a été restituée par Rosalie Scoop, et vous avez ici, dans la partie droite de cet îlot, les différentes parcelles que Sébastien Zamet a dû acheter progressivement, ainsi que la grande parcelle du fond, place où était jadis l'hôtel de Thym. On ne va pas rentrer dans le détail de cette histoire, mais Sébastien Zamet commence en 1587 à assembler plusieurs parcelles différentes de manière à se constituer la parcelle dont il rêve pour faire sa demeure.
Et il achète des parcelles qui sont déjà construites, notamment dans cette zone-là. Ce sont des petites parcelles dans lesquelles se trouvent déjà des immeubles, notamment une maison qui est célèbre, en tout cas dont le propriétaire était célèbre. C'était la maison du sculpteur sur bois Sibek de Carpi, qui travaillait pour la couronne et dont Sébastien Zamé se porte acquéreur. Et c'est important puisque, en effet, la maison de Zamet va être une maison constituée à partir de bâtiments préexistants. En gros, dans les parcelles à double hachure, ce sont des parcelles construites. Ici, ce sont des parcelles vides, et ainsi que le grand espace qui servira pour le jardin côté rue Saint-Antoine. Et ce qui nous permet d'arriver à une première vue cavalière un peu à peu près juste sur le plan de Paris du milieu du XVIIe siècle, où l'on voit l'hôtel, alors qui porte à ce moment-là le nom de Lesdiguières, l'hôtel d'Hesdiguières, et on devine la parcelle, la partie bâtie côté rue de la Cerisaie ici, qui aboutit à l'arsenal, et le jardin considérable qui aboutit sur la rue Saint-Antoine. Et ici, vous avez l'actuel hôtel de Mayenne, et entre les deux, le couvent que j'ai oublié de citer tout à l'heure, des filles de la Visitation, qui subsiste aujourd'hui avec le dôme de Mansart. Ce qui m'intéresse dans ce plan, c'est l'importance que l'on repère tout de suite de la parcelle. Et c'est une originalité, c'est l'un des caractères majeurs de la maison de Sébastien Zamet, dont on va avoir enfin un plan complet ici, qui est un relevé de la fin du XVIIe siècle, mais qui représente donc l'État vers les années 1680, mais qui, du point de vue de l'organisation générale des masses bâties, n'a pas changé par rapport à la construction initiale. Et donc la première remarque, c'est la possibilité financière de Zamet qui est énorme et qui lui permet de se constituer l'une des parcelles, une parcelle considérable pour construire son hôtel, donc cette parcelle traversante. Vous voyez, l'hôtel du Maine n'arrive pas à cette ambition. Et il y a en effet, au tournant du XVIIe siècle, très peu d'hôtels particuliers qui disposent d'une parcelle aussi gigantesque et qui est la première manifestation du pouvoir et du rang du propriétaire. Alors j'ai à droite ici grisé les volumes bâtis de cette parcelle et coupé donc toute la partie jardin, mais vous voyez ici l'ampleur du jardin et la petite allée qui donnera issue sur la rue Saint-Antoine là. Alors c'est un hôtel qui est composé de manière tout à fait inhabituelle et remarquable, qui effectivement se présente organisé autour de plusieurs cours, avec des corps de bâtiments disposés au premier regard de manière assez aléatoire, mais qui en fait se comprend à la lecture des marchés de construction qui sont passés par Sébastien Zamet par la préexistence de bâtiments existants, notamment ces deux corps de logis parallèles ici, qui sont des remplois de corps de bâtiments existants. Et on devine effectivement ici les limites parcellaires que l'on avait précédemment, avec une entrée qui pouvait d'une maison qui pouvait se trouver là et ensuite se développer en deux corps de logis parallèles. On sait que dans toute cette zone-là, Sébastien Zamet remploie des constructions préexistantes et qu'en revanche, toute la partie gauche de la parcelle, notamment cette grande aile et surtout l'aile de gauche et le pavillon carré qui est là, ainsi que les écuries totalement à gauche de la parcelle et la partie à l'alignement sur la rue, sont des parties de l'hôtel qui sont construites de neuf. Alors le chantier se déroule entre les années 1595 et 1600, entre la recomposition de la partie droite et la construction à neuf de la partie gauche. Et le jardin est aménagé à partir de 1605. On a un marché de terrassement du jardin qui est passé en 1605. Mais l'hôtel est habité à partir de 1600. Et on a la famille Zamet qui réside sur place à partir de 1600. Il n'y a pas de nom d'architecte qui est connu pour cette composition. Et c'est une composition tout à fait inédite qui s'écarte totalement des usages des hôtels de la fin de la Renaissance. Vous avez peut-être en tête le plan général de l'hôtel de Carnavalet, qui est construit donc dans les années 1570 de mémoire. L'hôtel de Carnavalet présente déjà l'hôtel classique français avec une cour, des ailes à droite et à gauche de cette cour et un corps de logis principal au fond de la cour et derrière le jardin. Ici, la disposition est complètement différente puisque
On a l'entrée dans une grande cour qui, j'ai converti les mesures, est une cour qui fait 36 mètres de côté sur 28 mètres, pour vous donner une idée, donc 36 mètres de profondeur sur 28 mètres de large. La parcelle générale de Zamet est estimée à plus de 5500 mètres carrés. Et là-dessus, les corps de bâtiments sont disposés de manière tout à fait inhabituelle pour la... pour l'usage des maisons françaises, avec au fond de la grande cour d'honneur un corps de galerie, simple en profondeur, et à droite, d'autres corps de bâtiment parallèles à la rue, reliés par un grand escalier, et à gauche, en revanche de la grande cour, une aile qui relie un gros pavillon de format carré au corps de bâtiment sur rue. La disposition naturelle semble être de rentrer dans le passage et d'accéder directement dans la galerie, et ensuite de passer par le jardin. Mais l'entrée principale se fait en fait par ce grand escalier monumental qui, là aussi, surpasse tous les escaliers d'hôtels particuliers et ne peut se rapprocher que d'un escalier de château ou de palais pour la même époque. En tout cas, les logis sur lesquels, dans le détail desquels nous allons rentrer par la suite, se développent autour non pas d'une grande cour d'honneur et d'une petite cour latérale comme c'est le cas à l'époque, mais d'une grande cour d'honneur et de trois cours de service, quatre si l'on compte cet espace qui est une cour de remise, ici la cour des écuries, et là deux cours de service, la cour des cuisines et la cour de la chapelle, qu'on appellera la cour de la chapelle en raison de la présence ici d'une petite chapelle. Mais j'anticipe déjà sur les dispositions intérieures, alors que je voulais vous montrer un mot des élévations. Dès la construction du bâtiment, l'hôtel de Zamet fait l'objet d'un relevé par l'architecte Jacques Gentillâtre, qui relève une travée type de cette maison que vous avez à gauche, dans un dessin aujourd'hui conservé à Londres, et qui vous montre l'élévation type, la travée modèle, qui présente une architecture à bossage de pierre, claveaux également disposés en éventail au-dessus des fenêtres, et des lucarnes maçonnées assez fortes avec le même dessin de claveaux en éventail, que l'on dispositif très tramé, très orthogonal, qui est donc organisé autour de ces motifs de pierre harpée qui dessinent les lignes verticales et qui rencontrent à chaque différence, à chaque étage, un bandeau très simple ou bien un bandeau supporté par des modillons. Et c'est exactement l'élévation que l'on retrouve dans les relevés de l'agence Robert de Cotte aux alentours de 1680-1690, qui montre que l'hôtel n'a pas évolué, n'a pas changé, et présente cette même architecture, qui est une architecture que l'on qualifie souvent de style rustique français, cette architecture qui associe la brique et la pierre comme on le voit dans tous les grands chantiers du règne d'Henri IV, comme on le voit déjà à la fin du XVIe siècle dans les chantiers les plus prestigieux. Alors, on a un tout petit doute sur les matériaux, sur la réalité du brique et pierre dès l'origine, puisque vous voyez, le relevé de Gentillâtre ne permet pas de dire s'il s'agit véritablement de briques. Le relevé des années 1690 non plus, et les photographies avant démolition montrent effectivement une façade en enduit, même si on retrouve bien ici les mêmes lucarnes avec les motifs en relief, les bossages, montrent une façade en enduit. Mais les dessins du 19e semblent faire apparaître, par certains endroits où on sent que l'enduit est tombé, des teintes rouges, qui semble bien confirmer que l'on avait à l'origine une architecture brique et pierre, mais qu'à une époque encore indéterminée, on a recouvert l'appareillage de briques d'un enduit à la chaux traditionnelle, sans doute pour faire une façade plus parisienne. Alors, l'organisation générale de la maison de Sébastien Zamet est connue par son inventaire après décès, dressé en 1614, et qui permet, je vais le simplifier volontairement, qui permet de comprendre l'organisation générale de la maison. Ici, au rez-de-chaussée, un dispositif
qui regroupe un grand appartement bas qui n'est pas attribué à un personnage en particulier dans cette zone-là, composé d'une grande salle, d'une chambre et d'un cabinet. Dans la partie gauche de l'hôtel se trouve une zone qui est attribuée aux suivantes de Madame Zamet, qui habite au premier étage et donc qui dispose d'un logement juste en dessous de leur maîtresse. Et la partie gauche de la cour est occupée par l'abbé de Juilly, l'un des fils de Sébastien Zamet, le second fils de Sébastien Zamet, qui deviendra évêque de Langres par la suite, en 1615. Et on repère, dans la partie droite de la cour de la chapelle, un appartement de bain, ou appelé également étuve dans les inventaires, dans cette zone-là. Et on voit bien dans la disposition de cet hôtel qu'il s'agit bien d'un hôtel double, d'un hôtel biface, avec des appartements principaux qui se trouvent à droite, accessibles par le grand escalier avec ce jeu compliqué de volets. Et qu'à gauche se trouvent des appartements secondaires, le fils cadet ou les dames de la propriétaire, et que les ailes qui forment l'entrée, qui est généralement la partie la plus noble, ou qui forment le fond de cour, sont des ailes purement de liaison, et non pas les parties les plus nobles de l'habitation, qui elles sont décalées dans la partie droite. C'est ce que l'on voit aussi. Moi, je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail. Je reviendrai sur les étuves. C'est ce que l'on voit également lorsqu'on passe au premier étage et que l'on comprend l'organisation générale des appartements. L'aile gauche est bien en effet réservée à des logements qui ne sont pas les logements les plus nobles de la maison, puisque l'appartement le plus noble est celui qui est désigné comme appartement du roi, qui est le plus décoré, le mieux meublé, qui se trouve donc dans cette zone-ci, accessible par le grand escalier. Et le maître et la maîtresse de maison occupent des appartements plus modestes, avec des tailles de pièces plus restreintes et des ameublements beaucoup plus simples, qui se trouvent tous les deux ensuite dans l'aile gauche, entre la grande cour et la cour des écuries. Et il y a exactement comme au rez-de-chaussée, l'aile sur rue et l'aile entre cour et jardin sont des ailes de communication, de liaison. Et c'est vraiment une galerie dans le sens d'ailes de liaison entre les deux parties d'une maison. Et il reste une zone incertaine, qui est cette zone-là, qui n'est pas décrite par l'inventaire et dont on ne peut pas comprendre véritablement l'organisation. Alors, pour comprendre l'importance Alors, vous noterez donc que monsieur et madame Zamet habitent au premier étage et que surtout, ils ont des appartements qui n'occupent pas la partie la plus noble de la maison. Alors que là aussi, c'est l'usage dans la quasi-majorité des hôtels particuliers parisiens. La partie la plus noble est occupée par ce qu'on appelle un appartement du roi, ce qui est là aussi un usage tout à fait inhabituel pour les hôtels particuliers du XVIIe siècle. Les appartements du roi, c'est les loges. Lorsque un particulier dispose d'un appartement du roi au XVIe ou au début du XVIIe, c'est généralement dans les demeures de campagne, dans les châteaux, où il est d'usage qu'un noble puisse accueillir le roi dans ses déplacements. Et par exemple, à Vaux-le-Vicomte encore, Louis Le Vau prévoit un appartement du roi. Mal lui en a pris. Mais au XVIe siècle, c'est un usage fréquent dans les châteaux, mais à Paris, dans les hôtels particuliers, ce n'est absolument pas nécessaire puisque le roi dispose de plusieurs logements à Paris, au Louvre, aux Tuileries et dans les différentes propriétés. C'est donc là aussi une anomalie par rapport à l'usage de l'hôtel particulier parisien et qui démontre un programme assez particulier, mais qui souligne aussi la proximité de Sébastien Zamet avec Henri IV et qui est connu, et l'on sait dans la chronique du règne d'Henri IV, qu'entre 1600 et 1610, le premier Bourbon passe beaucoup de temps à l'hôtel de Zamet. Il loge, certains actes sont même passés, signés par le roi à l'hôtel Zamet, rue de la Cerisaie, et on sait donc qu'il a logé. Et donc on a un hôtel particulier qui est conçu par un proche du roi pour le logement de sa propre famille, la famille Zamet, mais pour lequel on conçoit aussi, dès le début, un logement pour le souverain, ce qui est tout à fait inhabituel. Alors, ce qui a fréquemment retenu l'attention des chroniqueurs du règne d'Henri IV, c'est précisément cet appartement des étuves,
dont vous avez ici le détail des pièces. Ce sont trois pièces composées d'une antichambre, d'une chambre et des étuves à proprement parler, au rez-de-chaussée, à droite de la cour de la chapelle, à l'angle du bâtiment, donnant sinon dans la cour des remises. Puisqu'en effet, s'il y a effectivement des actes qui sont passés, des actes officiels qui sont passés rue de la Cerisaie, ce que la chronique a surtout retenu, ce sont les fêtes que Sébastien Zamet a données et les réceptions et les scènes de galanterie du premier Bourbon qui se sont tenues dans cet appartement des Étuves qui est resté célèbre au XVIIe siècle. Alors, je suppose que je suis en retard, donc je ne rentre pas dans le détail de l'ameublement, mais quand vous avez comme ça à droite de l'image ces tableaux, ce sont les extraits des inventaires après décès qui permettent de savoir ce qui se trouve à l'intérieur de chacune de ces pièces. Alors, je reviens à l'appartement du roi et à cette originalité, puisque, outre l'appartement du roi, Sébastien Zamet avait aménagé dans la galerie un décor particulier qui était un décor consacré composé d'une suite de portraits de souverains qui vient finalement, j'aurais pu agrandir ce cercle rouge jusque-là, mais en fait, c'est aussi bien une espèce de liaison qu'une galerie dépendant de l'appartement du roi. Voilà le détail de l'appartement du roi, salle, chambre, cabinet, garde-robe et surtout grande galerie. Et dans cette grande galerie, on trouve dans l'inventaire une quinzaine de tableaux représentant plusieurs souverains catholiques d'Europe, notamment les rois d'Espagne, les défunts rois d'Espagne, les rois de France naturellement. Et on se trouve dans un cas assez particulier de grand décor dans lequel on peut, alors non pas retrouver forcément ces tableaux qui sont aujourd'hui à Florence et à New York, mais en tout cas des tableaux de ce type-là, de portraits équestres de souverains, notamment évidemment François Ier et Henri II sont mentionnés dans l'inventaire de 1614. Et de ce que l'on connaît des portraits équestres des souverains, de ces deux souverains, il n'y a pas énormément de modèles. Et il était très fréquent plutôt de reproduire ces modèles de tableaux de François Clouet. Et c'est très intéressant puisqu'autour de 1600, le thème d'une galerie des rois chez Sébastien Zamet, alors, est totalement inhabituel pour un particulier et se trouve tout à fait contemporain du projet d'Henri IV de galerie de décor de la petite galerie du Louvre qui est composée d'une suite pareil de souverains, alors exclusivement français pour le Louvre. Mais on voit que Sébastien Zamet donne à son hôtel, par le biais de ce décor de la Galerie des Rois, un standing tout à fait différent de celui du simple hôtel particulier du XVIIe. Le seul exemple que l'on a à ce moment-là à Paris d'un hôtel qui dispose d'une galerie avec une galerie de portraits, c'est l'hôtel de Soissons, qui avait été aménagé, dans lequel la galerie avait été aménagée en 1576-1578 par Catherine de Médicis. Donc vous voyez que l'hôtel Zamet prend tout d'un coup un statut différent. Alors je vais aussi aller très vite sur ces différentes vues qui renseignent plus le type d'ameublement intérieur. D'origine italienne, Sébastien Zamet va apporter un certain nombre de meubles plus italiens dans son aménagement, notamment dans son aménagement intérieur, notamment ce qu'on appelle les lits à la romaine, qui sont des lits à pavillon de ce type-là, mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Ce qu'il faut noter avec ces deux camemberts peut-être pas très lisibles de loin, ce sont des graphiques qui représentent la part la composition donc de l'inventaire après décès, la composition du mobilier entre la part des tapisseries, des bijoux et de l'orfèvrerie, des textiles, de l'orfèvrerie et ce que j'appelle le mobilier en place, c'est-à-dire le mobilier qui occupe les appartements. Sébastien Zamet a regroupé une fortune considérable, mais une fortune qui est en partie composée par des pièces meubles, l'orfèvrerie et des tissages. Vous voyez ce mobilier en place, ce bleu clair correspond à cette partie-là du camembert. C'est la partie du mobilier qui se trouve dans les appartements. Ce qui est, lorsqu'on essaye de faire le rapport entre la taille des appartements et la taille de ce petit triangle, on s'aperçoit que tout le reste, ça, c'est ce qui se trouve dans le garde-meuble. Le garde-meuble qui occupe la totalité de la partie sous les combles et qui est en grande partie
composé de tissage. Ce qu'il faut noter, c'est ce que j'essaye de montrer par ces graphiques qui sont peut-être pas très élégants, alors que, voilà, des vues de ce type-là qui montrent des tentures qui ne sont pas forcément celles de Zamay, parce qu'il est impossible de faire le lien, mais qui représentent sans doute le même tissage, c'est que Zamay avait condensé sa fortune dans les tentures de tapisserie, les pièces d'orfèvrerie, et les pièces de broderie, notamment de ce type-là, les garnitures de lits, de dais, en tapisserie au point, rehaussées de fils d'or et d'argent, etc., qui constituent la majeure partie de la valeur du mobilier. Ce mobilier, est, comme l'orfèvrerie, sont des éléments stockés, c'est-à-dire des éléments qui sont conservés comme une réserve. Et à ce moment-là, la maison de Sébastien Zamay est finalement une maison qui ressemble plus à un coffre-fort où les plus grandes richesses sont regroupées dans le garde-meuble ou bien dans l'office pour l'orfèvrerie, mais ne sont pas exposées dans les appartements, à part le grand décor mural que l'on devine notamment à travers le décor de la Galerie des Rois. Mais toutes les pièces les plus précieuses sont regroupées. Et ce qui correspond bien à un usage particulier d'usage, l'habitation d'une famille bourgeoise, et Sébastien Zamay est avant tout le banquier de la couronne à ce moment-là, la maison évoque son activité et reflète son activité, et l'organisation du mobilier à l'intérieur reflète bien une maison qui est comprise comme un coffre-fort dans lequel il n'y a pas de grandes collections d'art, mais des collections d'objets précieux. J'insiste sur cette particularité, puisque c'est sur ce thème-là que la maison va évoluer lorsqu'en 1623, le fils de Sébastien Zamay vend à ce personnage-là l'hôtel, donc au premier duc de Lesdiguières, François de Beaune, premier duc de Lesdiguières. Il achète l'hôtel en 1623, et à partir de ce moment-là, la maison du banquier Zamay passe dans l'une des plus grandes familles de France. La famille de Lesdiguières est une famille du Dauphiné qui va, au XVIIe siècle, assurer le gouvernement du Dauphiné, va être une des familles, évidemment, duc et pair de France, l'une des familles les plus nobles, les plus importantes tout au long du XVIIe. Et c'est dans cette famille que l'hôtel va rester jusqu'en 1737. Le premier propriétaire est celui-ci, François de Beaune, premier duc de Lesdiguières, mais il ne va pas résider dans... Il va rester, comme vous le voyez, c'est un militaire, et il réside principalement à Grenoble, et c'est son gendre, qui portera par la suite également le titre de duc de Lesdiguières, Charles de Créqui, qui va occuper l'hôtel parisien, et vous le voyez ici, dans une gravure de Claude Mélan. Celui-ci meurt en 1638, c'est également un militaire, comme vous le voyez. Merci. Et à partir de ce moment-là, les ducs de Lesdiguières, mais aussi l'ensemble de la famille, vont transformer la maison, non pas tellement architecturalement, puisque on va le voir juste après, il n'y a pas beaucoup de transformations architecturales, mais du point de vue de son habitation et de son prestige et d'une très grosse maison d'un banquier, l'hôtel va devenir véritablement la maison d'une famille noble avec la disposition d'un ameublement au regard du rang de cette famille. La première chose, notamment, va être le fait de ce Charles de Créqui qui meurt en 1638 et pour lequel l'inventaire après décès est extrêmement précis. Même s'il meurt en Italie, l'inventaire décrit une maison entièrement meublée pour les autres membres de la famille, et surtout, il décrit les admirables collections de peintures que Charles de Créqui avait réunies à Rome lors de son ambassade
à Rome, puisqu'il avait il a assuré une ambassade entre 1633 et 1635. Et au cours de cette année, de ces 2 années pardon, d'ambassade, il a constitué une collection de peintures remarquables qui a été étudiée évidemment depuis et qui est venue compléter la Galerie des Rois, qui elle conserve toujours ses portraits de souverains. Et c'est une collection de peintures qui vient se placer dans la grande salle que l'inventaire de 1638 décrit comme grande salle des tableaux, et sans doute aussi un peu dans la chambre, puisque sinon on ne comprend pas comment on aurait pu placer dans cette pièce-là les 163 tableaux qui sont inventoriés en 1638 et qui sont une collection qui est composée de très très grands chefs-d'œuvre qui sont aujourd'hui aussi bien au Louvre qu'au Metropolitan Museum à New York, pardon. C'est une collection remarquable qui est bien connue, très détaillée dans l'inventaire après décès, de tableaux, de peintures italiennes et surtout romaines du début du XVIIe siècle. Et c'est ça qui est rarissime, c'est que les collectionneurs français du début, enfin en tout cas du règne de Louis XIII, en général, collectionnent plutôt la peinture du XVIe siècle, les grands noms connus de Véronèse ou Tintoret. Alors certes, il y en a, hein, comme ce célèbre Véronèse du Louvre. Mais ce qui est remarquable, c'est que Créqui s'est intéressé à la peinture contemporaine, celle de Guido Reni, celle du Caravage, celle d'artistes du tournant du XVIe et du XVIIe. Et à ce moment, l'originalité, c'est que l'on sait qu'également, cette collection de peintures remarquables, alors composée aussi de quelques peintres français mais travaillant à Rome, notamment Nicolas Poussin, c'est que cette collection était ouverte au public, en tout cas, ouverte au public, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas d'un accès relativement facile, on le sait par les chroniques et par les guides du XVIIe siècle, qui permettait de donner à voir très facilement les peintres les plus célèbres du début du XVIIe, et effectivement dans les chroniques, on sait qu'un certain nombre d'artistes, de peintres français venaient à l'hôtel de Lesdiguières consulter, admirer ces tableaux, même si le moment a été assez bref, puisque les héritiers de Charles de Créqui, après son décès en 38, vont disperser la collection. Elle va intégrer principalement les collections du cardinal Richelieu et par ce biais-là, pour un certain nombre, les collections royales et le Louvre. Alors par ce biais-là, par l'installation de cette collection, le grand décor peint institué par Zamet dans la Galerie des Rois se prolonge et surtout on a une modernité du goût qui est affirmée et une importance donc des collections d'œuvres d'art et une certaine ouverture au public qui apparaît. Ce qui évidemment n'était pas envisageable dans l'état Zamet, dans cette maison royale. Alors les modifications qui sont apportées au milieu du siècle par la famille de Lesdiguières, elles sont de deux types dans les grands appartements qui se trouvent donc à droite de la grande cour. Il s'agit dans un premier temps, après la dispersion de la peinture, du cloisonnement de la grande salle de manière à donner à l'appartement noble du premier étage enfin la disposition de l'étiquette habituelle, c'est-à-dire salle, antichambre, chambre, cabinet. L'usage de l'antichambre au milieu du XVIIe est totalement indispensable pour une grande famille telle que la famille de Lesdiguières, et donc on cloisonne la grande salle où se trouvaient les tableaux en deux pièces. Et puis on voit apparaître à droite, je vais revenir plutôt sur cette image, à droite du grand escalier, dans cette zone-ci, au-dessus des étuves, un appartement pour lequel on a enfin le détail et surtout pour lequel on a la trace de marché de construction. Et il s'agit de créer ici un appartement pareil, un grand appartement composé d'une salle, d'une antichambre et d'une chambre et de petites pièces, cabinet, garde-robe au fond. On va voir le détail ici, voilà. Et la particularité de cet appartement est que la grande chambre et la petite chambre sont des pièces dotées d'alcôves. Et là, on voit la famille de Lesdiguières se mettre à la mode la plus récente. C'est une mode qui se diffuse dans les années 1640, la mode de l'alcôve, qui permet d'agrandir, de donner un effet spectaculaire supplémentaire, mais aussi un confort supplémentaire. Et ici, la grande chambre se développe avec une entrée ici,
une cheminée là et l'ouverture d'alcôve qui se trouve là. Et vous voyez une cloison plus petite. Et c'est la pièce qui se trouvait derrière la pièce initiale qui a été cloisonnée de manière à agrandir la chambre en elle-même d'une alcôve et ensuite d'une petite chambre privée, ce qui nous indique donc que c'est bien ici une pièce d'apparat. Et ensuite, un cabinet, si je ne me trompe pas, voilà, un cabinet et une garde-robe, et ce qui permet de disposer ici de l'appartement complet d'habitation avec les trois pièces d'apparat et ensuite les trois pièces de l'appartement privé, ce qui est l'usage au milieu du XVIIe siècle. Ce sont les seules modifications qui sont apportées par la famille de Lesdiguières au milieu du siècle. Je vais passer sur cette... Peut-être rapidement sur cette planche qui indiquait la présence. Ce sont les informations tirées de l'inventaire de 81 à la mort du quatrième duc de Lesdiguières qui permettent d'avoir la confirmation que le rez-de-chaussée, la partie du premier étage côté jardin était occupée par la duchesse et donc que l'appartement des alcôves ici était destiné au duc et que l'appartement des enfants se trouvait en balancement de l'appartement de la duchesse relié par la galerie. Donc on a toujours cette idée d'une galerie qui n'est pas forcément attachée à un appartement, mais qui sert de liaison avec l'appartement des enfants qui loge avec les officiers et les domestiques. Et autre remarque qui indique l'évolution des usages de l'habitation. L'appartement de Sébastien Zamet, ici, est devenu l'appartement des écuyers. Et donc, vous voyez que l'appartement Zamet en lui-même ne devait pas présenter de décor ou de grand décor particulier, puisque en 81, c'est devenu l'appartement des écuyers, donc un appartement de logement de domestiques. Et donc, la partie noble est vraiment regroupée à droite, et donc Zamet devait habiter dans des logements tout à fait simples. Voilà. Alors l'appartement des alcôves s'appelle distinctement appartement des alcôves ou appartement doré. Appartement doré signifie en général, surtout dans une appellation donnée en 1681, un appartement qui est composé de lambris de hauteur, sculptés et dorés, comme on peut en trouver à l'hôtel Lambert par exemple, ou à l'hôtel Lauzin, qui sont des hôtels des années 1660-70, ce qui correspond exactement donc à la campagne de travaux que l'on identifie par les Lesdiguières entre 57 et 77. Voilà, et pour rebondir par rapport au camembert de la fortune de Zamet tout à l'heure, vous voyez un usage ici totalement différent du mobilier, où pour une famille noble comme la famille de Lesdiguières, les meubles les plus luxueux, ayant le plus de valeur, sont placés dans les appartements. Vous voyez les meubles en vue, c'est ce que les notaires voient dans les appartements. Et vous voyez que c'est la très grande majorité du mobilier. Et les chiffres ici correspondent à la valeur des estimations. Le garde-meuble, dans le garde-meuble, on ne place pas d'objets de valeur. Ce sont des objets pour le roulement du mobilier. Mais ces deux camemberts montrent bien une manière d'habiter totalement différente entre une manière plutôt bourgeoise d'un côté pour le banquier Zamet et au contraire une manière véritablement aristocratique, noble, avec le déploiement dans les grands appartements d'apparat de meubles extrêmement luxueux et de très grande valeur. Alors par contre, il est tout à fait impossible aujourd'hui de trouver des objets appartenant aux Lesdiguières qui auraient pu se trouver dans l'hôtel Zamet. Le fil de l'histoire s'est complètement rompu entre 1681 et nos jours. Alors enfin, le troisième temps de cette histoire apparaît avec le dernier duc de Lesdiguières, ce cinquième duc de Lesdiguières, dont vous avez le portrait ici, à gauche, accompagné de sa mère, à droite, Paule-Françoise de Gondy, duchesse douairière de Lesdiguières. Donc, ce personnage à droite qui va jouer un rôle très important dans l'histoire de l'hôtel, en tout cas des derniers temps de l'hôtel, est la femme du quatrième duc de Lesdiguières. C'est celle qui occupe cet appartement-ci en 1681. En 1681, son mari décède. Elle devient duchesse douairière et le petit duc mineur que vous avez là, qui habite dans l'ancien appartement de Madame Zamet, c'est celui-ci. Peint par Hyacinthe Rigaud,
Il décède en 1703 à Modène. Et au cours de la période donc entre 1681 et la majorité du cinquième duc, Paul-Françoise de Gondi mène un certain nombre de travaux au nom de son fils, le cinquième duc. Et vous le savez, lorsque il y a un exercice de tutelle de cette manière-là, on conserve aux archives nationales tous les comptes de tutelle qui permettent de documenter les travaux que Paul de Gondi, à droite, exécute au nom de son fils mineur. Et donc, comme elle doit rendre des comptes, elle tient ses comptes sur les travaux. Et c'est ce qui nous renseigne aujourd'hui sur l'importance des travaux qui sont menés. C'est comme ça que l'on découvre au cours des années 1680, il y a un certain nombre de travaux avec un pic en 1687, avec cette estimation de travaux où on voit la duchesse Douairière effectuer des transformations tout à fait importantes de l'hôtel et qui correspondent à des travaux de mise à la mode, de mise au goût du jour de la distribution, du décor intérieur et aussi de modernisation et de réparation de cet hôtel qui n'a pas été forcément toujours régulièrement entretenu. Alors, ce camembert ici vous représente la part donc des différents corps de métier qui interviennent et qui permettent de comprendre l'importance donc des chantiers menés par la duchesse. En gros, la duchesse dépense plus de 150 000 livres pour ses travaux de réparation et de mise au goût du jour, de modernisation du bâtiment. J'ai oublié de vous le citer, mais j'aurais dû vous le situer tout à l'heure. 150 000 livres, c'est la somme que débourse le premier duc de Lesdiguières en 1623 pour acheter le bâtiment, pour acheter l'hôtel aux héritiers Zamet. Alors évidemment, on ne peut sans doute pas comparer la valeur de 150 000 livres entre 1623 et les années 1680, mais ça donne quand même une idée de l'importance. Et pourtant, lorsqu'on regarde les plans masse du bâtiment, qui sont ceux de 1680, on ne s'aperçoit pas de grandes transformations. Tous les corps de bâtiment restent là. Le dispositif de Zamet avec les galeries, les portiques, etc., rien ne bouge dans l'enveloppe générale. Donc c'est manifestement des travaux qui sont majoritairement des travaux de réparation et de transformation intérieure. Mais il y a un poste très important que nous rend bien la comparaison de ces deux plans, c'est le poste de l'aménagement des jardins, où l'on passe d'un jardin assez simple avec une grande pelouse rectangle en forme de trapèze ici, à véritablement un jardin digne de ce nom. Et effectivement, on voit dans les mémoires des dépenses considérables pour toute la fontainerie et tous les tuyaux, puisqu'en effet, dès le début, il y avait des lignes d'eau qui arrivaient, une possibilité d'avoir un jeu de fontaine, mais on ne voit pas d'aménagement avant les travaux. Et il y a tout un jeu d'aménagement de fontaine, ce bassin avec ce jet d'eau ici, une glacière là, un petit bassin secondaire là, un troisième ici, un quatrième là, et enfin l'aménagement d'un petit jardin ici, dans l'ancienne cour des remises, de manière à ce que l'appartement du premier étage, notamment celui-ci, surplombe une partie aménagée un peu plus agréable que la cour des remises. Il y a donc l'aménagement. Alors là aussi, il n'y a pas de nom de jardinier qui intervient. On connaît le nom des terrassiers, on connaît le nom des fournisseurs des plombs, des tuyaux, de tout ça, mais il n'y a pas de nom d'auteur du jardin et de l'auteur de ce dessin tout à fait élégant de l'hôtel de Lesdiguières. L'autre transformation, la seule transformation architecturale extérieure que l'on comprend à travers la lecture des mémoires de travaux, ce sont des modifications de façade que rendent bien les dessins de ces élévations donc du fond Robert de Cotte. Et l'on s'aperçoit que la duchesse entreprend des modifications de façade qui sont ponctuelles, mais qui vont quand même avoir une certaine importance.
Vous vous souvenez peut-être du dessin type de la travée de l'hôtel dessiné par Jean Tillatre en 1600. Elle diffère un tout petit peu. Alors ici, il s'agit de l'élévation de la façade sur le jardin, avec ici la série des 9 travées de la galerie, enfin des galeries, puisqu'il y en a une au rez-de-chaussée, une au premier étage, et ici les fenêtres de l'appartement principal, avec ici le retour du cabinet. La modification principale qui est apportée, c'est l'abaissement de toutes les allèges des fenêtres du premier étage, de manière à remplacer les allèges maçonnés par un système de garde-corps en serrurerie. Soit un grand balcon filant qui passe ici au droit de toutes les fenêtres du grand appartement, soit des balcons isolés au droit de chacune des fenêtres de la galerie du premier étage. En gros, le dispositif du rez-de-chaussée, ici, il correspond au dispositif de 1600, avec cet allège maçonné et sa grande fenêtre au-dessus. Et c'était le même système qu'il y avait à l'étage. Ce sont des travaux qui sont menés dans les années 1680. Et on s'aperçoit que la duchesse, ici, commande une intervention extrêmement novatrice, puisque on est tout à fait habitué dans l'histoire de l'architecture parisienne à voir se transformer les fenêtres du XVIIe avec ses allèges maçonnés en grandes fenêtres beaucoup plus aérées avec des châssis à grands carreaux et des garde-corps en serrurerie. Mais c'est une opération qui d'habitude est menée au XVIIIe. Notamment, par exemple, les fenêtres de la galerie de l'hôtel Lambert, la galerie d'Hercule à l'hôtel Lambert, sont transformées au XVIIIe siècle. Ici, la duchesse entreprend une transformation de manière extrêmement précoce. L'autre transformation assez précoce, et qui fait un clin d'œil aussi aux transformations, mais qu'on voit de manière assez contemporaine au château de Versailles, c'est la transformation des fenêtres rectangulaires du premier étage en fenêtres cintrées, là aussi de manière à augmenter l'éclairement intérieur de la grande galerie. Vous avez ici un détail du dessin sur une des versions des élévations. Vous voyez bien cette fenêtre cintrée avec ses bossages disposés autour de ces fenêtres. Et effectivement, c'est une modification que l'on voit à Versailles. Et l'autre modification importante est d'essayer de donner une allure un peu plus classique à cette élévation assez rustique, et elle se fait par l'intervention de l'aménagement d'un avant-corps dans la travée centrale qui s'avance en saillie avec un petit décor architecturé de pilastres, de mascarons, de guirlandes, et qui essaye de donner une sorte de centralité à cette façade qui sinon se répétait de manière extrêmement monotone, mais dans un usage tout à fait caractéristique des années 1600. Et enfin, la duchesse parsème toute l'architecture, toute la façade, de motifs de décors héraldiques. Donc vous avez ici un détail avec les écus de la famille de Gondi et de Lesdiguières associés sous cette couronne. Et de la même manière, tous les épis de faîtage se représentent avec ce petit motif d'arbuste qui correspond à ce qu'on appelle un créquier, qui est un arbre héraldique qui est évidemment le motif principal du blason de la famille de Créqui. Donc il s'agit de la famille de Bonne de Créqui, duc de Lesdiguières, d'où l'importance de ces motifs. Et ces interventions extérieures correspondent à un certain nombre de modifications intérieures qui sont bien documentées, notamment la transformation de la galerie, puisque le changement de fenêtre correspond aussi à un changement complet du décor intérieur et notamment du plafond, puisque la galerie haute était plafonnée à la française dans l'état de Zamet, et la duchesse fait placer une voûte sur laquelle il y a un décor peint qui se développe. Et c'est sans doute à ce moment-là que disparaît tout le décor de la galerie des rois, puisque les mémoires des menuisiers nous indiquent la mise en place d'un lambris de hauteur avec un lambris peint en blanc et rehaussé de dorures. Et c'est l'ensemble de l'appartement du premier étage qui reçoit, dans les années 80, début des années 90, un nouveau décor intérieur composé de lambris de hauteur blanc et or, exactement comme on le fait au même moment au château de Versailles, où l'on met en place ce nouveau style du décor intérieur, beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, fait de lambris de bois sculpté, blanc rehaussé de dorures. Alors, bon, voilà l'emprise du chantier pour l'appartement de la duchesse. Je vais passer très vite, mais puisqu'il faut. Oui,
Je vais passer. L'inventaire après décès de la duchesse Douairière est dressé en 1716 et permet d'avoir une idée très précise de son mobilier. Et on s'aperçoit que son appartement, donc cette séquence de quatre pièces principales et non pas la galerie, puisque la galerie était quasiment pas meublée comme c'est l'usage, mais que l'appartement de la duchesse ainsi que l'appartement doré qui se trouve de l'autre côté de la cour des cuisines était meublé de manière extrêmement riche, extrêmement somptueuse, et que notamment à l'intérieur de cet appartement, ce qui avait le plus de valeur et ce qui nous peut surprendre aujourd'hui, c'était, puisqu'il n'y avait plus du tout de tapisserie ou de, plus du tout de tapisserie, c'est ce qui coûte le plus cher, enfin, ce qui a le plus de valeur, pardon, au début du XVIIe, au début du XVIIIe, ce qui a le plus de valeur, ce sont les lustres en cristal de roche que je vous évoque par ce modèle conservé au musée Getty, qui est daté stylistiquement de 1700 et dont on n'a aucune idée de la provenance, mais qui correspond bien par rapport à sa typologie. C'est ce qu'on appelle un lustre en cage avec une structure métallique faite de fils entièrement revêtue de petites billes de cristal de roche qui permet de donner ce motif de dentelle avec évidemment toutes les pendeloques, etc. Et ce sont des objets qui sont prisés entre 2000 et 3000 livres en ce qui concerne les lustres qui se trouvent dans l'appartement de la duchesse. Il y en avait un dans chacune de ces trois pièces et qui correspondent à l'ameublement, aux objets les plus somptueux. Et enfin, l'appartement était doté d'un certain nombre d'ameublements qui, comme on l'a vu à l'extérieur, présentaient un décor héraldique, ce qui n'est pas tout à fait étonnant pour un appartement. Les appartements de duc et pair, on trouve très souvent des dais ou des portières qui sont frappées des armes du propriétaire et du duc et pair. Ce qui est exceptionnel pour l'ensemble de la duchesse Douairière de Lesdiguières, c'est qu'on a conservé certains fragments, alors dans un état que vous voyez ici, au Musée national de la Renaissance, se trouve dans les réserves, conservé plusieurs pièces qui proviennent de l'ameublement de la duchesse de Lesdiguières. Alors, l'histoire fait que ça se trouve au musée de la Renaissance à Écouen et qui donc ne sont pas exposés puisqu'ils n'ont rien à voir avec le sujet et malheureusement pas non plus entretenus. Du coup, vous avez ici un fragment ce qu'on appelle la queue d'un dais, donc le fond d'un dais placé verticalement, frappé des armes de la duchesse de Lesdiguières que vous devinez ici. On retrouve l'écu avec les deux massues Gondi, le manteau d'hermine, etc., qui correspond exactement au dessin des armes que l'on trouvait sur le fronton de la façade côté jardin. Et dans ce décor exceptionnel d'enroulement, de motifs, etc., qui sont composés exclusivement de broderies d'application. Il ne s'agit pas ici de tapisserie, mais d'une grande pièce brodée avec un fond, composé d'applications de différents fonds, donc de tissage de taffetas bleu rehaussé de broderies d'application, de cordons, etc., qui est un travail tout à fait remarquable. Il y a plusieurs pièces comme ça qui représentent cet intérieur. Je vous le montre parce que c'est tout à fait exceptionnel d'avoir conservé aujourd'hui, de retrouver aujourd'hui des objets de ce type et encore plus des tissages brodés. Et on conserve également un bureau que l'on repère dans l'appartement de la duchesse de Lesdiguières, qui se trouve aujourd'hui dans les collections de la reine d'Angleterre, et que l'on identifie également parce que sur le plateau se trouvent les armes de la duchesse, ici, et puis un certain nombre de motifs héraldiques, comme les deux massues Gondi ici, l'obélisque de la famille de Ré, exactement. Alors, qui permet d'avoir une idée que, là aussi, la duchesse se meuble dans les années 1680-90, de la manière la plus moderne de l'époque, puisque c'est la grande période de ce qu'on appelle abusivement la marqueterie boule, les années 80-90. C'est vraiment la période de top de la mode de ce type de marqueterie métallique, ce qui est le cas donc de ce bureau orné donc de plaques de cuivre, d'étain et de cornes. Et puis subsiste aussi, à nouveau dans une collection privée anglaise, deux portières
Donc ce sont des éléments pour dissimuler une porte. Deux portières qui ont été étudiées dans les années 90 par un historien de l'art anglais, puisque ce sont des portières qui sont décorées aux armes de la famille de Gondi, mais également de la famille de Ray, puisque la duchesse d'Ouerrières est née Ray, et elle propose donc dans ce décor exceptionnel une pyramide héraldique où se trouve racontée son histoire généalogique par le biais des blasons du côté de son mari et du côté de ses parents à elle, et qui sont là aussi des pièces de taffetas brodées, avec des taffetas, le taffetas jaune ici, rehaussé donc de broderies d'application, et qui sont tout à fait remarquables. Et là aussi, une technique de décor très rarement conservée pour cette période-là aujourd'hui. Alors je passe sur cette autre pièce peut-être rapidement. Je ne sais pas combien de temps je dispose, de combien de temps. Pardon, c'est fini ? C'est fini. Alors, je passe vite sur l'originalité de l'ameublement de Madame de Lesdiguières, qui était composé de ces broderies à thème héraldique, mais également sur des thèmes exotiques. Avec ici, ce sont des pentes de lit à fond de taffetas jaune, avec des corps de jeux d'enfants africains, qui, eux, ont été restaurés et ont été exposés à Écouen. Je vais passer ici pour aller très rapidement sur les derniers moments de la vie de l'hôtel de Lesdiguières. L'hôtel de Lesdiguières, après la mort de la duchesse en 1716, fait l'objet de projets de transformation pour accueillir le tsar Pierre, qui vient en visite à Paris en 1717. À cette occasion, on réfléchit au réaménagement de l'appartement, et c'est ce qui donne le fond des dessins qui se trouvent aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale, dans le fond Robert de Cotte, des travaux qui n'ont probablement pas été réalisés, mais qui sont indiqués ici en rouge, soit transformer la galerie en un appartement, soit recloisonner pour avoir un appartement correspondant mieux à l'étiquette, puisque on s'aperçoit que finalement la duchesse avait vécu dans un appartement qui était encore extrêmement contraint et correspondait, à part un cloisonnement, à un dispositif inventé en 1600. Les usages de la vie de cour et la vie d'apparat avaient complètement évolué au XVIIIe, et il se trouvait notamment dans l'esprit de Robert de Cotte impensable de faire autrement que de placer la chambre d'apparat au centre de l'hôtel, d'où ce projet. Projet non réalisé. La suite de l'histoire, c'est que les héritiers de la duchesse sont des héritiers lointains, puisque la duchesse n'avait eu qu'un fils qui meurt avant elle. L'hôtel arrive dans la famille des ducs de Villeroy. Les ducs de Villeroy préfèrent céder l'hôtel en 1737 par petits bouts. Un bout à des promoteurs, un bout au couvent de la Visitation. C'est ce que racontent les différents plans conservés aux Archives nationales, qui présentent le morcellement, le découpage de l'hôtel en plusieurs lots. Évidemment, sur la rue Saint-Antoine, on construit des immeubles de rapport. Et à la fin, il ne reste qu'un tout petit bout de l'hôtel qui n'est finalement pas démoli, et que l'on retrouve représenté sur ce plan de 1790, et qui correspond à un moignon de l'hôtel, si vous voulez, qui correspond au corps de logis qui se trouve entre l'ancienne cour de la chapelle, qui se trouve là, donc la rue est en bas, hein, un mur de clôture, l'ancienne cour de la chapelle et l'ancienne cour des cuisines, qui est devenue le jardin. Et ces deux corps de bâtiment correspondent donc en gros au volume de l'appartement des alcôves ou de l'appartement doré au premier étage, et à la zone des étuves du premier étage. Et ici, ce sont des écuries qui ont été aménagées dans un corps de bâtiment qui, lui, a été démoli, qui se trouve et dans la zone de la grande cour d'honneur. La grande cour d'honneur se trouverait là, et l'escalier se trouverait dans cette zone-là. On en devine la partie ici. Voilà, et enfin, la fin de l'histoire, c'est le percement 1805 de la rue Castex, qui vient définitivement diviser, qui vient compléter le morcellement de cette opération, et c'est à partir du percement 1805 que sont loties les différentes parties. Mais vous voyez que sur Vassereau, il y a encore de grands lots qui sont vides et qui correspondent donc aux anciens espaces du jardin ou de la cour. Et enfin, la dernière étape, c'est le percement du boulevard Henri IV, qui vient amener la démolition de
ce petit hôtel de Lady Hier, donc celui-ci, qui devient évidemment une maison locative et qui est celle que vous avez vue en photo au début, ici, en 1866. On a percé le mur de clôture pour y placer ce passage cocher, pour rendre évidemment accessible ce petit hôtel de Lady Hier. Même si ce n'est qu'un moignon du grand hôtel, on le devine par ces grandes souches de cheminées qui correspondent aux étuves qui se trouvaient là, aux lucarnes qui conservent le dessin, le petit meudillon qui correspond exactement au dessin de Jean Tillatre de 1600. Et on voit l'enduit qui tombe et qui fait apparaître les briques ici. Voilà, il y a d'autres photos, mais je ne crois pas les avoir mises. Mais c'est sur cette image que je vais conclure pour vous montrer donc comment on a construit un hôtel exceptionnel dès le départ, et que finalement, en 1737, enfin dans les aléas, je ne rentre pas dans le détail du découpage, au 18e, on en a fait un hôtel viable finalement, un hôtel que l'on peut louer, en tout cas un hôtel que l'on peut habiter et louer de manière commode au cours du 18e siècle. Et c'est cette espèce de raccourci qui vous montre bien aussi bien le côté exceptionnel du premier hôtel Zamet, que la difficulté de conserver une maison qui finalement n'était pas du tout dans les normes de l'hôtel parisien du XVIIe siècle, et donc à partir du moment où il n'y a plus une grande famille suffisamment importante pour le soutenir, puisque les Villerois choisissent de s'installer au Faubourg Saint-Germain, ce qui est normal en 37, c'est le quartier à la mode, eh bien il est impossible de convertir cette maison trop particulière, et du coup c'est la division qui arrive, et la réduction à des proportions, j'allais dire, normales au standard parisien d'un quartier qui n'est plus un quartier à la mode à cette époque-là. Je vous remercie. Alors je crois qu'il y a un petit temps de questions. N'est-ce pas dans cet hôtel Zamet qu'est décédé Gabriel d'Estrées ? Si, tout à fait, exactement. En tout cas, la tradition, le rapporte tout à fait, oui. Moi, j'avais une question sur le choix initial de l'orientation de l'hôtel, qui n'ouvre pas sur la rue Saint-Antoine, mais sur la rue de la Cerisaie. Quel est le... Alors que l'hôtel de Mayenne était à côté, est-ce que c'est par modestie qu'il n'osait pas se construire un hôtel aussi visible que celui de Mayenne ? Je ne suis pas sûr que la modestie soit l'un des caractères fondamentaux de Sébastien Zamet. Je pense que ça va être des questions plus prosaïques. C'est le couvent de la Visitation qui se trouve là. Ah oui. Et je pense qu'il a eu du mal à exproprier La petite encoche ici correspond. L'accès sur la rue Saint-Antoine est très étroit en fait. Ah oui, l'accès sur la rue Saint-Antoine, c'est vraiment ça. D'accord. Ça a varié après. Mais il est contraint ici par le couvent. Okay, d'accord. Par le couvent. Oui, la rue de la Cerisaie, ça reste un cul-de-sac qui mène à l'arsenal. Alors c'est chic parce que on va chez Sully, donc on passe devant lui. Mais ça reste un cul-de-sac qui est assez étroit et qui n'a pas de vis-à-vis remarquable. D'accord. Mais qui est très bien situé en revanche. Ben merci beaucoup. Encore merci une à fois. Vous.